Hey, ça suffit, non? Patrick, tu ne comprends pas? Nous devons aller au camp américain. Pas le choix. Nous sommes la gang et nous devons montrer que nous sommes les plus forts. Les gars, allez, faites des squats. Les squats ne sont pas les plus importants dans le football américain. Écoutez, le plus important, c'est de courir vite. Les garçons, faites des squats, dépêchez-vous. Moins de blablabla. Nous devons nous faire examiner pour être sûrs d'arriver au camp américain. Vous avez entendu que seuls les plus forts y arriveront? Kostia, tu dois faire deux fois plus de squats. Regarde le 10e G, il travaille si dur. Allez, au travail. Regardez ces perdants, notre Patrick va les battre. Après ça, nous irons au camp de Miami. On prendra un bain de soleil et on se réchauffera là-bas pendant qu'ils seront coincés ici. Oui, à faire des boules de neige. Les filles, regardez-les. Je pense qu'ils veulent vraiment aller dans ce camp américain. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons obtenir le contrôle médical à 100%. Oui, nous devons prouver que nous sommes les plus sains. Les filles, nous allons certainement obtenir la certification médicale. Nous sommes en bonne santé. Oui, nous sommes en bonne santé. Dis-moi, ne sois pas lent. J'ai déjà fait 133 squats. Les gars, les médecins arrivent en ligne. Je suis la première. Eh bien, docteur Foss, entrez. Oui, infirmière Goethe, entrez dans le bureau. Je suis la première. Silence. Entrez par deux. Nous sommes les premiers, 9e A. Nous sommes plus âgés. Vous devez nous laisser passer en premier. Non, écoutez-moi, une personne du 10e G et une autre du 9e A. Oui, allons-y. Mais moi, je suis après. Eh bien, infirmière Goethe, qui est la première sur notre liste? Eh bien, Bondarenko Yana de la 10e G et Zaitseva Diana, 9e A. Bien, faites-les entrer. D'accord, docteur Faust. Zaitseva Bondarenko, entrez. Je suis Zaitseva. Je suis la première. Fermez la porte en premier, nous ne sommes pas dans l'ascenseur. D'accord, je suis la première. Zaitseva Bondarenko, qu'est-ce que vous avez? Vous savez pourquoi nous sommes ici dans votre école? Bien sûr que nous le savons. Vous voulez nous amener dans le camp américain? Oui, le plus cool, vous allez certainement choisir le 10e G. Non, pourquoi vous? Nous sommes meilleurs et nous choisirons le 9e A. Non, nous sommes meilleurs. Non! Chut, on va tout vérifier. Qui est Bondarenko? Assoyez-vous. Votre âge? 15. Oh non, j'aurais dû dire que j'ai 16 ans. Bon, d'accord. Ouvrez la bouche et dites « Ah ». Mince, que fait-elle avec elle? Infirmière Goethe, les dents sont normaux. Oh, bien Bondarenko, votre taille et votre poids. Taille, 172 cm, ouais, 42 kg. Quoi? Tu ne dis pas des mensonges? Lève-toi, je vais te mesurer. Non. Mince. Aligne ton dos. Eh bien, 159,6 cm. Vous l'avez noté, infirmière Goethe? Bien sûr, docteur Faust, je l'ai fait. Mince, ces médecins sont si bizarres. Bien, maintenant faites 20 flexions. Nous allons enregistrer votre pouce. D'accord. Vous n'auriez pas dû lui dire de faire 20 squats. Elle va tomber et ne se relèvera pas. Oh, Diana, qui dirait ça? Tu ne peux même pas faire 3 squats. Tous? Je ne peux pas. Je vais prouver que je peux faire 20 squats. Facilement. 2. 3. 4. Diana, arrête de te prendre par une championne olympique, car ton tour arrive. Bien, vente, enregistrons votre pouce. 150, horrible. Oh, les enfants, Diana, tu es la prochaine. Dépêche-toi. Yes. Oui, Diana, tu as perdu. Bye bye. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Diana. J'ai toutes les chances d'arriver au camp américain. Je suis en forme, je fais du fitness, du cheerleading, de la natation et de la peinture. Eh bien, vérifions si tu es si bonne que ça. Votre taille et votre poids. Taille 158, poids 48. Docteur Faust, êtes-vous sûr que nous pouvons choisir les enfants les plus sains ici? Infirmière Goethe, on m'a dit qu'il y a les étudiants les plus sains ici pour le cheerleading et le football américain. Oui, les meilleurs d'entre eux sont au 9e A. Arrêtez de parler. Prenons la température. Oh, Diana, voyons voir quel genre de perdante vous êtes.
Zaitseva, avez-vous souffert de la rougeole, de la varicelle ou de la rubéole? Non. As-tu toutes les vaccinations? Oui, toutes. Donne-moi le thermomètre. Eh bien, 37,6. L'examen vient de commencer et nous avons déjà une température élevée. Ouvrez la bouche et dites « Ah ». Ok, « Ah ». Oh, tu devrais mieux te laver les dents. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je me lave les dents le matin et le soir, parfois même l'après-midi. Je ne crois pas, elle mange trop de chocolat. Docteur, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Elle s'accroupit? Non, fais des push-ups. Des push-ups? D'accord, mais je vais le faire comme une fille. Zaitseva, arrêtez de tricher. Fais-le bien 50 fois. Quoi? D'accord, d'accord. 1, 2, 3. Docteur, vous n'avez pas besoin de compter. Il n'y aura même pas 4. Il y en aura 4. Docteur Faust, je pense que ça leur suffit. C'est bon, ça suffit. Les prochains. Alors quoi, je pars? J'y vais. Les filles, calmez-vous. Vous n'allez nulle part. Les suivantes. Les suivantes. C'est foutu. Les médecins sont si stricts, vraiment stricts. Marusia, toi la suivante. Mon Patrick, toi d'abord. Toi peur? Yana, comment c'était? Raconte-nous. Diana, comment c'était? Les gars, c'était terrible. Les gars, je pense que c'est vraiment difficile d'arriver à ce camp américain. Les gars, chut! Écoutons ce qui se passe dans le bureau. Artyom, il faut faire vérifier. Je veux vraiment aller dans une équipe de football américain. Les gars, je veux devenir une pom-pom girl. Julie, tu ne peux même pas sauter dans l'air. Tu ne seras pas une pom-pom girl. Marusia, Julie ne peut pas, mais je peux faire un triple 1. Les gars, croisons les doigts pour Kostia. Je m'inquiète pour lui. Les filles, notre Patrick va tout arranger. Il est vraiment fort. Et j'irai en dernier. Puis, 10MG arrivera définitivement au camp. Je suis sûre à 100%. Seulement dans vos rêves. Babushkin a 15 ans et Petrov a 15 ans. Infirmière Goethe, ont-ils vraiment 15 ans? Docteur Faust, je vous l'ai dit. Babushkin et Petrov ont 15 ans. Est-ce que vous entendez? Faites ce que dit le docteur. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi tranquille. Tu es mon rival. Tu ne deviendras pas un joueur de football, je te le dis. Les gars, faites 20 push-ups. Maintenant, je compte. Bien. 1, 2, 3, 4, 100. Je n'aime pas ce garçon en poule gris. Docteur, il n'est pas du tout en forme. Qui dit cela? Un sac en forme. Eh bien, vent. Venez ici, nous allons enregistrer votre pouce. Rougeole, varicelle, rubéole, vous avez fait toutes les vaccinations? Nous n'avons pas eu ces maladies. On a fait toutes les vaccinations. Eh bien, infirmière Goethe, Petrov 81. Babushkin, vous êtes là? Babushkin, je suis là, oui. Babushkin, quel est ton nom? Kostia. Patrick, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh mon Dieu, ces enfants! Tu peux voir, infirmière, McDonald's est partout. Maintenant, dis-le. Petrov va bien. Babushkin va bien aussi. Bien, le garçon, taille et poids. Taille 180 cm, poids 65 kg. Tu es en forme, Babushkin. Taille 180 cm, poids 180 kg. Petrov, tu devrais perdre du poids. Docteur Faust, ne perdons pas notre temps avec eux. Suivant. Qu'est-ce que vous attendez, le suivant? Je crois que ça va. Bien sûr, ton poids est de 180 kilos. Tu ne seras pas choisi. Bien, allons-y. Kostia, comment c'était? Patrick, tu as été contrôlé? Le docteur est bizarre. Il dit de sauter, puis de courir. Il demande des informations sur les vaccinations. Non, je n'ai pas fait la dernière inoculation. Ouais, tu as entendu, Yana? Le 10MG a de très petites chances. Nous avons la forme Marusia. Elle n'est pas comme ton Artyom. Quand l'infirmière lui soufflera dessus, il sera époustouflé, comme une feuille de papier. On verra bien, mon Dima n'est pas encore allé chez le médecin. Infirmière Goethe, qui est le suivant? Pochapskaya et Raketenko. Tenko. Entrez, Pochapskaya et Raketenko. Je suis la première. Julie, c'est moi la première. Calmez-vous. Quelle défense pour le football? Je ne vous comprends pas du tout. Comment osez-vous dans le cabinet médical? Faites 20 squats maintenant! Maintenant! Julie, tu es la première. Non, c'est toi. Attends, je laisse les plus jeunes passer en premier. Julie, vas-y. Marusia, l'âge avant la beauté. Tu es la première. Je pense qu'ils ne feront pas des squats. Dis Doucement. Pochapskaya, ta gorge va bien.
Rakitenko, je vois que tu ne portes pas d'écharpe. Si, je vais le porter. Tu peux voir, tu es en train de perdre. Maintenant, ta taille et ton poids va au mur. D'accord, d'accord. Je suis plus grande, je suis plus grande. Je suis plus grande. Marusia, tu es sûre que c'est la taille? Julie, peut-être le poids. Infirmière, notez. 250 kilos pour deux. Eh bien, 250 kilos pour deux. Les filles, vous n'êtes pas du tout en forme. Super. Maintenant, la taille. D'accord. Eh bien, Rakitenko, 1,74 m. Toi, écrit? Oui. Oh, les enfants! Docteur, c'est tout? Julie, on vient de commencer. Docteur, savez-vous que Julie mange trop de sucreries? Marusia! Oui, je vois bien. Elle mange trop de sucreries. Savez-vous que Marusia mange trop de fast-food? Julie ne fait pas de sport. Marusia joue aux jeux vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vois. Infirmière, appelez les prochains. Marusia, je ne te pardonnerai pas. Julie, c'est toi qui as commencé. Tu as tout gâché, elle n'aura pas le certificat. Je lui ai dit, Julie ne mange pas de fast-food. C'est horrible. Je peux faire 50 squats et des push-ups. Je peux aussi faire 1500 squats, mais au cabinet du médecin, je n'en ai fait que 19. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas fait une seule inoculation. Lia, dis que tu les as toutes, nous devons être dans ce camp. Chut! Marusia et Julie arrivent. Elles invitent Bondarenko et Luzinenko. Aucune chance. On y va ensemble. Oui, mais Dima, tu dois savoir que je suis le meilleur. Allons-y. Dima, bonne chance. Tu es un vrai footballeur. Dis-leur. Artyom, dis-leur que tu peux être quarterback. Eh bien, Bondarenko. Et Luzinenko. Je suis Bondarenko. Lui, c'est Luzinenko. Venez voir le docteur. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Enregistrons votre pull. Oui. Bondarenko, c'est mauvais. Bondarenko, votre pouce est faible. Pourquoi est-il faible? Luzinenko, l'adrénaline est trop forte. C'est clair, Dima, je serai quarterback. Docteur, mesurons la taille, le poids, le stress de l'exercice. Ce sont des étudiants en forme. Il est évident qu'ils font du sport. Oui, je suis un quarterback. Je suis un fullback. Bien, les garçons, vous pouvez y aller. Suivant, Oreshkina et Kukulka. Avons-nous réussi? Personne n'est encore passé. Invitez les prochains. Au revoir. As-tu entendu, Dima? Le docteur a dit que j'irai en Amérique. Bien sûr, il a dit qu'en fait, je suis en forme. Qu'est-ce qu'il y avait? Comment c'était? Des sportifs. Kukulkina et Oreshkina, entrez. Je ne m'inquiète pas du tout. Je vais quand même me faire examiner. Merci à bonne chance. Oh non, je n'ai pas de vaccin. Lia, calme-toi, tu as tout. D'accord. Bonjour. Bonjour. Kukulkina, tu es pâle, comme du riz. Kukulkina, as-tu fait toutes les vaccinations? Docteur, elle n'a pas reçu l'inoculation pour la varicelle. Oh! Il n'y a pas de raison de la contrôler. Oreshkina, taille, poids? 165 cm, poids 44 kg. Quoi? Toi, lève-toi. Tu fais 1,40 m, pas plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ce que j'ai dû. Infirmière Goethe, calmez-vous. Docteur Faust, seulement, mon 1,30 m et ses 5 cm de plus égale 1,35 m. Elle se pense très grande, mais elle est très petite. Juste un petit peu plus que moi. Menteuse. Écoutez, vous avez peut-être 1,30 m, mais moi j'ai 1,60 m. Infirmière Goethe, nous allons vérifier. Allez, je n'ai pas confiance en elle, c'est une menteuse. Je n'ai pas à vous prouver quelque chose. J'espère que Nastia ne nous laissera pas tomber. Non, elle est en forme. Je l'aurais bien dépassé aussi, mais Marusia a tout gâché. C'est si grave, qu'Artyom est malade. Nous aurions certainement réussi. Oui, il est en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as réussi? Allez, dis-le. Ces médecins sont fous. Ils sont... cette mini-infirmière dit que je fais 135 cm, mais je le jure, je fais 160 cm. Je suis la plus grande de ma famille. Je vois. Elle est folle, le docteur l'écoute. Ce n'est pas juste. Ces Américains. Nastia leur a dit que je n'ai pas de vaccin. Elle a tout gâché, comment elle a pu? Toi, des ennuis. Infirmière Goethe, quelle école de fou. Oui, docteur Faust, avez-vous vu ces dernières filles? Elle est si petite, mais si effrontée. Et Kukulkina, pour qui se prend-elle? Elle ne fait même pas les vaccins. Elle avait même peut-être la varicelle. Mais nous devrions prendre Bondarenko et Luzinenko avec nous. Bien sûr, docteur, comme vous le dites.
Et puis Taisez-vous! Eh bien, Lisonenko et Bondarenko. Et Bondarenko peut voler jusqu'au camp. Super docteur, quand est-ce que notre vol est prévu? Demain à 8h, retrouvez-nous à l'aéroport. Laisse tout ça, allons faire les valises. On ne peut pas gâcher cette chance. Dima et moi, tu me quittes? Diana, ne t'inquiète pas, je t'enverrai mon aimant de Disneyland. Dima, allons-y, tu vas rencontrer une fille américaine. Allons-y. Quoi, Dima? Qu'est-ce que tu as dit? Tu es un traître. Laisse-les pas. Ils sont tous les deux des traîtres. Oui, Nastia, nous ne pleurons pas à cause de Dima et Artyom. Va-t'en. Va à ton campement. Nous n'en avons pas besoin. Les gars, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et cliquez sur la cloche. Au revoir à tous. Au revoir.